Salut, c'est Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Shadow of the Tomb Raider. Donc avant de partir à l'aventure, on va déjà c'est faire ça. Ces développements, une puissance plus importante que son équivalent arc droit tire flèche plus puissante, plus rapide. Ok. Aiguisé, ok. En fait, je peux utiliser les Tomb Raider. C'était comment l'époque de Tomb Raider. C'est les anciennes tenues de Tomb Raider. Mais là, franchement, j'ai. Ressources insuffisantes pour fabriquer un objet. Je sais pas si je vais faire une petite vidéo là-dessus pour les présentations des Tomb Raider, je sais pas, on verra. Mais pour l'instant, voilà. Alors, tac. Alors, amélioration des armes. Les améliorations augmentent des caractéristiques des larmes comme la précision, la maniabilité et la capacité des munitions. Une caractéristique peut être améliorée plusieurs fois sans certaines compétences permettra à Lara de fabriquer amélioration plus puissante. Des branches résistantes utilisées dans les fabrications de. Des enchants sur la corde permet de recharger plus vite, d'augmenter tendance de tir. Ok. Et on va regarder un petit peu les points de compétence. Ruse du corbeau. Réélever les pièges. Vision de la chouette. Souffle du game. Augmentez votre apnée en nageant sous l'eau. Effet, ok, vous savez quoi? On va garder. On va passer par ici. J'espère que vous allez bien, les amis, pour un nouvel épisode de Tomb Raider, on est parti sur l'aventure, je pense que c'est Paititi, ça, le petit village. Ça doit être Kouakiaku. Essayons de descendre pour savoir ce qui se cache dans le temple. Kouakiaku. Oh, c'est magnifique. En mode E3. Non, je vais arrêter. Voilà. T'es sûr que c'est le chemin? Allez, reste près de moi. C'est tout sauf un bon chemin. Oh là, Jonathan, t'as pas peur de ça, s'il te plaît. Ça va aller, ça va aller. On est presque. On y est presque. J'ai déjà entendu ça. Je te tiens. Ça va aller? Ça va, plus que quelques pas. Ok. Bah, c'est bien. Ok. Tout va bien? Ça va, je gère.
Ok. Bon, je vais regarder un petit peu. D'après toi, qui a bâti tout ça? Peut-être bien les Incas. Ils maîtrisaient les lois de l'hydraulique. Chouette. Le pont est abaissé. On pourrait peut-être le remonter. Ah, une araignée. Peut-être. Oui, je déteste les araignées, moi. Alors, récupérer édition de documents presque l'air et ligue pour augmenter le savoir de Lara sur la culture indigène et leur délicate spécifique les perfectionnements du savoir antique permet. Ah, et GTO antique permet de traduire le plus avancé. Ok. J'espère que cette structure est là parce qu'on est sur la route du village. Moi aussi. Alors. Oh, impossible de comprendre ce que je lis. Améliorer la connaissance de Lara d'une délicate cachet pour déchiffrer les mots. J'imagine que cette eau-là est potable. Tu veux essayer? Je crois que je vais plutôt me contenter des bouteilles d'eau qu'on a trouvées dans l'avion. Alors je vais voir un petit peu ici. Hein. Y'a pas un petit truc là-bas, non? Ok. Ok, c'est des plantes. Tu vois, si j'avais su que je passerais autant de temps dans la jungle, j'aurais mieux écouté pendant l'année où j'étais chez les scouts. T'aimais pas ça? Eh ben, vu la situation de ma famille, on faisait pas beaucoup d'activités comme ça. Pas aller là-bas. Et toi, t'as jamais été chez les scouts ou fait des camps de vacances? Être en pension, ça compte? Je sais pas, d'après toi. Sans doute que non. Faut pas y aller. Mais Ross m'a appris les bases. Voilà, on a débloqué des trucs. De toute façon. Ouais. C'est trop lourd. Donne-moi un coup de main. Allez. Rien. Ok. On va relâcher. Doucement. Il faut que je fasse couler l'eau. Ok. Va descendre. Bon, je récupère un petit peu de tout, hein, les amis, donc voilà. Hein. J'ai pas vu, il y avait une échelle. Hey, ça a fait quelque chose. L'eau a l'air de faire fonctionner le pont. Sans Ellie, ton bras devrait guérir rapidement. Ouais. Et je fais quoi maintenant? Ok. Je pense que je sais ce que je dois faire. Allez, Jonah, réveille-toi un petit peu. Hein. L'eau vient remplir le seau. Parfait. Voyons à quoi servent ces contrepoids. Ok, je descends. Hop.
Le sauve fuit. Ouais, mais comment tu veux que je fasse? C'était mon cri de guerre, ça. Je crois qu'on va devoir passer par là. Après toi. Merci. Concentré. Ça pourrait être utile si on croise d'autres jaguars. J'espère que non. La sortie est par ici. Alors, œil de l'aigle. Maintenez LB. Attends, LB, il est où ? LB, oui, je le vois. Puis appuyez sur Y. Pardon. Pour utiliser les plantes pré. Préception permet de détecter les proies et les ressources naturelles dans l'environnement. Attends. D'accord. On se rapproche, on arrive près du village. J'ai hâte de retrouver la civilisation. Mais bon, la cité d'or secrète est censée se trouver au Pérou. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, hein?
fais quoi? Je saute? Non, c'était pas sauter. Ok. On va revenir où on était. Hein. Et des ruines. Donc t'es prête à ressortir? C'est parti. Les carnets de ton père disent quelque chose sur le Pérou? Non, mais bon, la cité d'or secrète est censée se trouver au Pérou. Paititi. Tous les chasseurs de trésors du monde ont on laisse encore. Mais ses notes s'arrêtent au Mexique. Comme s'il avait changé d'avis ou... Je sais pas, dans le carnet d'après, on passe en Syrie. Couronne d'argent ou les jumelles devises. Comment on saura qu'on est de nouveau sur la bonne voie pour trouver la cité perdue? Des ruines mayas, ça se remarque, tu crois pas? Ouais. Je crois qu'on peut partir par là. Jonah, donne-moi un coup de main. Ouais. À 3, 2, 1. Ah 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 tu me revois ton copain et. Et c'est le copain de tout. Faut le tirer, mais on m'a pas dit que c'était tiré, hein. Je le voyais pas la touche. Yata, voilà. Je prends des flèches. Merci, merci, merci. Oh, oh que ça fait du bien des flèches. Ah
Mais meurs, mon sang, meurs. C'est dur, hein. Mais ça marche pas. Mm.
J'ai rien fait. Oh. C'était ça qu'il fallait faire. Ça va aller? Je veux bien que tu m'aides. Ah, succès déverrouillé, c'est bien. Instinct de survie. Ton dos est salement amoché. Je vais préparer le campement. Elle fait un train de la couture en peau de léopard ou de guépard. C'est pas joli. Une fois c'est Lara qui a soigné Jonah et maintenant cette fois c'est Jonah qui est en train de soigner Lara. Tout ce qu'on traverse en ce moment, je pense à mon frère. J'ai toujours essayé de le protéger. De mon père. De lui-même.
Mais je l'ai perdu. T'as fait ce que t'as pu. Si j'avais été au bon endroit, au bon moment, il serait encore là. Si j'avais eu des yeux derrière la tête. Tu peux pas protéger tout le monde. Merci. Il me manque. Je sais. C'est triste. Mes parents, ils me manquent tellement. J'ai rêvé de ma mère il n'y a pas longtemps. Quand j'étais petite, mon père n'arrêtait pas de me cacher des choses. Des secrets. Sur elle, notamment. Pourquoi il faisait ça? Après la mort de ma mère, il a cherché à m'épargner. Ça m'a jamais empêchée d'être curieuse, bien sûr. Ouais. J'ai encore tellement de questions. Ton père a créé autant de mystères qu'il en a résolu. Dominguez a dit qu'il voulait utiliser la boîte d'argent d'Ischel pour refaire le monde. Si toi, tu avais ce pouvoir, tu en ferais quoi? Je paniquerais déjà. Tu reviendrais pas à l'époque où ton frère était vivant pour le retrouver? Et perdre tout le reste? Non, non. J'aime bien ce monde, c'est... Il est pas parfait. Mais tout ce à quoi je tiens, maintenant, s'y trouve. Trésor. L'aventurière Lara Croft doit triompher du roi, atteindre la tombe interdite et résoudre le mystère de la Reine Blanche. Mais la route sera semée d'embûches. L'aventurière ne doit pas traîner une seconde. J'ai presque fini! Bon, voilà les amis, bah... Les murailles du château l'appellent. Bon, petite info avant de quitter la vidéo. Donc Red Dead Redemption 2 est sorti le 5 novembre 2019 sur PC. Et j'attends vraiment impatience de le voir sur PC. Peut-être je ferai peut-être un let's play, je sais pas, on verra. Et aussi qui j'aimerais bien avoir sur PC, qui aimerait bien être sur PC, c'est le tout nouveau Spider-Man sur PS4, mais version qui met sur PC. Donc voilà. Bon, moi je vais vous laisser ici les amis, donc c'était pour les deux petites infos comme ça. Donc voilà. Dans le prochain épisode les amis, on ira jouer avec la jeune Lara Croft. Lara Croft, oui. Donc voilà. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu les amis. Donc moi donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi de vous abonner si c'est pas déjà fait. Comme ça vous ne raterez rien d'autre d'épisode. Je continuerai
sur Tomb Raider, donc voilà, Shadow of the Tomb Raider, donc ça continuera tout le temps. Voilà, il y aura d'autres jeux qui vont arriver que je continuerai. Bientôt je finirai Lego Harry Potter années 5 à 7, donc voilà. Et après on commencera un nouveau let's play sur un nouveau jeu Lego, donc voilà. Donc voilà un petit peu tout ça. Allez. Donc n'hésitez pas aussi d'activer la cloche pour ne rien rater de mes aventures. Le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et le petit pouce bleu. Moi je vous dis, c'était Max. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez. C'était Max et ciao tout le monde.